Dictionnaire complet de l'argot employé dans les mystères de Paris astérisque 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 produced by Marcia Bro, Hugo Voisard, Pierre Lacaze and the online distributed proofreading team at https://www.pgdp.net. This file was produced from image generously made available by the Bibliothèque nationale de France, BNF/Gallica, at http://gallica.bnf.fr. Dictionnaire complet de l'argot employé dans les mystères de Paris, ouvrage éminemment utile à toute personne honnête puisqu'il divulgue à la société les mots dont les filous, voleurs, floueurs, chevaliers d'industrie composent leur conversation. Ouvrage recueilli par Monsieur D. D'après les renseignements donnés par un ex-surveillant de la Roquette et un ancien garde-chiourme du bagne de Brest. Augmenté de la manière dont la pègre maquille son truc pour poissante chez les pantres. Les voleurs s'y prennent pour voler les honnêtes gens. Astérisque 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 Paris chez tous les libraires 1844 dictionnaire d'argot. Cabarmon, cabaret, les douilles, les cheveux, les douillettés, la barbe, la tronche, la tête, la frime, la figure, les chasses, les yeux, le reniflard, le nez, la gargue, la bouche, la menteuse, la langue, les acquigeuses, les dents, le colas, le cou, le soufflet, l'estomac, le saignant, le cœur, les guibes, les jambes, les paturons, les pieds, les abattis, les bras, les pognes, les mains, les arpions, les doigts, tapis, francs, maison, rendez-vous, des gens de mauvaise vie, charlot, le bourreau, la camarde, la mort, la muette, la conscience. Saint-Vôme de bonne foi, goualeuse, chanteuse, goualée, chantée, cambre, chapeau, plure, redingote, montant, pantalon, passif, soulier, empaf, botte, tirant des bas, blavin, mouchoir, gouline, une valise, filoche, une bourse, gueulard, un sac, pognon, de l'argent, albin, billet de banque, sig, pièce d'or, des thunes, blancarde, pièce de monnaie blanche, roue de derrière, pièce de 5 fr, roue de devant, pièce de 2, un point, pièce d'un, un rond, un sous, un bro, un liard, daron, le père d'Aron, la mère frangin, le frère frangine, la sœur aminge, un ami pivasse, un enfant gosselin, petit garçon gosseline, petite fille miston, jeune homme mistone, demoiselle bibon, vieux homme bibasse, vieille femme batif, quelque chose de tout neuf, d'oca, idée d'hasard, morfiller, manger, picte, boire, fric, marte, mais quelconque, jaffe, soupe, crigne, viande, verdouze, salade, rem, fromage, larton, brutal, pain, bilarton, savonné, pain blanc, pivois, du vin, des piteux, des haricots, coda, faux de vie, de la langue, lance de l'eau, lansquiné, pleuvoir, du rifle, du feu, rifaudé. Brûler, lingue, un couteau, 22, un poignard, des faucheux, des ciseaux, un crachant, un pistolet, massé, travaillé, gaille, un cheval, branc, un âne, pelard, du foin, fertile, de la paille, grenouse, de l'avoine, avergo, un œuf, ruet, un porc, piron, un canard, engache, une noix, piquantée, un poulet, bélan, un mouton, une cornante, une vache, une boule, une foire, un boulineur, voleur de foire, esganachère, arracher les dents, drogueur, mendiant, drogué, demandé, drogueur de bretelles, mendiant de naissance, regusou, un remouleur, grillou, un étameur, roulotte, voiture, panier à salade, voiture dans laquelle on transfère les détenus, la leur prison de la force, être au col et être en prison, la préfecte, dépôt de la préfecture de police, la centrale, maison centrale de détention, le pré, le bagne, être au dur, être condamné aux travaux forcés, gans, un homme, gonces, une femme, gans, de c, un homme, comme il faut, gonces, de c, une famille, des engoncés, concubinage, antifa, de ces mariages légitimes, bêcher, mépriser quelqu'un, pantre, paysan, pantresse, paysanne, largue, fille, prostituée, piole, maison, lourde, porte, tuilerie, les toits, la négresse, la cheminée, la lanterne, la fenêtre, le grimpard, l'escalier, 40, une table, glacis, un verre, louche, une cuillère, piquante, une fourchette, tuile, une assiette, rouliarde, une bouteille, montante, une chaise, pieux, un lit, pioncé, dormir, gamberger, compter, un bog, une montre, pendilleuse, des boucles d'oreilles, une bride, une chaîne, broquille, bague, jonc, de l'or, blancard, de l'argent, du duret, du cuivre, le
Grand Meg des dieux Meg le grand Meg un président jaspiné causé jar gargo entravé entendre rasi curé ratichon prêtresse basi mort grinquir voler poissé vol à qui j'ai battre lansquiné des pleurer chasse avoir tutoupe être hardi morgan mordre escarpé assassiné escarpe assassin faucher guillotiné tape exposition taroqué marqué sur bill sous la surveillance de la haute police à user le soleil à vie être gerbé être condamné limace chemise à fur bénéfice surbiné surfer fadé partagé. Mon fait ma part se faire laisse se tromper poivrier homme soul bonir parler boniment conversation débine dispute débiné méprisé de la dé ne pas être heureux chouet spirituel joli love bête mésir monsieur menace ma femme aller au jardin voleur allant faire un coup aller au persil promenade d'une prostituée carouble fausse clé tournante une clé fondante sœur à emprunt fric frac casser une porte cadet instrument avec lequel on casse une porte remouchère faire attention rembroquer regarder ça tout. Bétern baluchon paquet chouriné donner des coups de couteau grivière soldat cogne gendarme la rousse mouchard la rousse à l'arnache mouchard en bourgeois la rousse à la agent de police habillé flanc le condé le commissaire grandissime condé le maire ou le préfet esbigné se sauver esbigné en jargue sans aller d'une endroit sans payer argus argot reluisant reverbère boutanche boutique entodé entrée la blafard de la lune cavaler courir maquillé arranger quelque chose camouflé se rendre. Méconnaissable radin tiroir de comptoir où l'on met l'argent chopin sac d'argent être débiné être sale ployant portefeuille griffon chat cabot chien solir vendre à bloquer acheter en tape habillement sans taper s'habiller fourguer vendre des objets. Volume fourgue receleur faire gaffre surveiller chialer crier la planche au pain banc des accusés un reluit un jour un marquet un mois une longe une année baveux du savon tac un emplâtre pommeluche pommade eau de coluche eau de cologne camelote marchandise camelot marchand des rues être blanc être connu drague médecin blancardé blanchir escracher chassé marron être arrêté avec preuve marron mal pris en flagrant délit les rembroqueurs les témoins servi être arrêté servi de belle être arrêté sans preuve décarré sortir de prison centre nom chouette centre vrai nom centre à l'estorgué faux nom connoblé connu reconnoblé reconnu maquillé du pognon faire de l'argent rambiné remettre à neuf fiquer donner abouler venir gambiller danser une menée une douzaine turbiner s'occuper chiner aller offrir ses marchandises taude rupine maison bourgeoise bêcher faire des cancans mon orgibu moi-même fadé partager mon fait ma part gamberger compter flac boni quelconque dématé jeter quelqu'un par terre résiné. Du sang nettoyé donner une roulée de la bille des espèces très foin riff odeur tabac à fumer bouffard d'une pipe fauve tabatière faire suer un chêne assassiner un homme grand trimar grand rucci winnie berke non isco non taffé avoir peur à faire peureux être frileux poltron sans courage avoir eu froid ne pas avoir eu le courage d'achever un crime mouton homme de leur société qu'il suppose y avoir été mis pour s'associer seulement à la conversation et les dénoncer ensuite. Dans les prisons, la police y met beaucoup de ces gens qui, ayant l'air d'être détenus, causent avec les prisonniers, et finissent par donner des indices très précieux à la police qui les transmet ensuite à la justice mangeur celui qui, faisant partie d'une bande, dénonce les autres coqueurs celui qui, quoique voleur, en fait arrêter d'autres être coqués être dénoncé pionville et être en ribote pionville c'est être enivré rivanchère couché avec une demoiselle des gosses des poses des sautens des puces des bouffis des punaises carcagnaux prisonniers, qui prêtent de l'argent à ses collègues à intérêt. Avant le système pénitentiaire, cela existait dans les prisons et existe encore dans les bagnes.
Le carcagno prête 2 sous pour 3, et en 10 ans de temps, amasse des sommes immenses à bouler le pagne porté à manger à un prisonnier niant et bigorre rien du tout rappliqué venir souvent ronfler réussite complète à faire filer coup prémédité depuis longtemps à faire donner vol que l'on exécute d'après le consentement et les renseignements de portier ou de domestique. Ces vols n'arrivent que trop fréquemment refiler la camelote passée aux associés ce que l'on vient de voler paume la camelote pris, porteur d'objets volés dans le pied farguer rougir se défarguer déposer les objets dont on est porteur arsène un pantre s'assurer si un homme est porteur de choses qui vaillent la peine et qui soient susceptibles d'être volées guapées couchées dehors sorgue la nuit guapeur homme sans asile une bidoche une ration de viande méchée moitié de quelque chose faf papier. De sûreté pègre voleur propre à Mibs bon à rien remouchante une glace du trèpe du monde chialé crier crier à la chienlit au voleur écornage couper un carreau du fondant du plomb du coulant de l'huile avoir organe avoir fin riflard parapluie nettoyante une brosse frottin billard avoir à la bonne aimée avoir le béguin être malade d'amour floumon un violon flou en jeu de hasard flou et jouer brème des cartes couvrantes une casquette des boutons chair déboutonné griffardé écrire babillard du papier. Ligoté attaché une vergue une ville cambriole une chambre un villois un village tartir posé culotte pantin paris un barbotier un canard du nagan du poisson lampe drap de lit un gratou un rasoir une assurance une canne une dure une pierre canard fausse nouvelle canardier crieur public blanc connu rappliqué arrivé lune ange des lunettes rembroqueuse une lorgnette être marquant annoncé de l'aisance marqué avoir l'air riche nane caché caleté finir se réchauffer s'apercevoir remoucher. Regarder sorgue la nuit être à Renault être contrarié Renault bisque balancer renvoyer pommeluche pommade plombée sentir mauvais le matois le matin se matois ce matin le tardif le soir la sorgue la nuit un tiroir faire un trou dans le volet d'une boutique rengracier fini. On regarde faire le Benjamin substituer une chose à une autre aller aux vagues aller commettre un vol à la flanc au hasard du flanc donner sa parole du grand flanc parole d'honneur se réchauffer s'apercevoir baluchon paquet. Cafemont café les endosses les épaules débridées ouvrir buter tuer Morgan mordre coucher avec le coucher seul cheval débrouf vivement à la tête du camp devant tout le monde balancer jeter boule de son impin entier. Être gerbé être condamné avoir dans le nez détesté nasé avoir en horreur l'ego la sago cela ici go ici l'offitude bêtise foncé donner connoblé connaître reconnoblé reconnu billet payé dialogue argot et français. Arsène se pantre, remouche si sa filoche est chouette, il est marquant, si tes zig peut le fourliner, je te vais nane et nous faderons des cigues. Tâte cet homme, regarde si sa bourse est bonne, si tu peux la lui prendre, je te vas cacher, et nous partagerons des pièces d'or. Astérisque 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 le trèpe à boule, esbigne-toi et cavale dur. Le monde vient, sauve-toi et cours vite. Astérisque 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 calte, le pantre se réchauffe. Fini, le paysan s'en aperçoit. Astérisque 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 remouche donc la bride de cette gonzesse, c'est du jonc. Regarde donc la chaîne de cette femme, c'est de l'or. Astérisque 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 elle doit avoir un bogue remouche la tournante. Elle doit avoir une montre, regarde la clé. Astérisque 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 cette sorgue j'ai acquigé ma menace. Cette nuit j'ai battu ma femme. Astérisque 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 ce qui me met à Renault, c'est d'être entiflé de C. Ce qui m'embête, c'est d'être marié légitimement.
Astérisque, 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 mais je ne suis qu'engoncée. Moi je vis en concubinage. Astérisque, 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 quand Mézig ne l'aura plus à la bonne, je la balance. Quand moi je n'en voudrai plus, je la renvoie. Astérisque, 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 j'ai le béguin pour une mistoune de C. J'aime d'amour une demoiselle comme il faut. Astérisque, 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 rapplique à la lanterne, rembroque qu'est-ce qu'aboule. Va à la fenêtre, regarde qu'est-ce qui vient. Astérisque, 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 veux-tu morfiller de la jaffe? Veux-tu manger de la soupe? Astérisque, 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 nous irons sur le grand trimard escarpé un gaz. Nous irons sur la grande route assassiner un homme. Astérisque, 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 j'ai abloqui des empaffes une roue de derrière. J'ai acheté des bottes 5 fr. Astérisque, 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 mon gans est au col. Mon homme est en prison. Astérisque, 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 rifondons de nous ce satoulego. Brûlons-nous ce bois-là. Astérisque, 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 le premier qui bonit une lofitude, je l'acquige. Le premier qui dit une bêtise, je le bats. Astérisque, 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 aboulissigo. Viens ici. Astérisque, 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 niberqué, je ne veux pas maquiger avec te sig. Non, je ne veux pas me battre avec toi. Astérisque, 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 je lance skin des chasses, ma frangine est esbasis. Je pleure, ma sœur est morte. Astérisque, 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 ma daronne m'a renaudé, je n'irai plus à la piole. Ma mère m'a grondé, je n'irai plus à la maison. Astérisque, 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 j'ai floué au brême, et j'ai paumé du pognon. J'ai joué aux cartes, et j'ai perdu de l'argent. Astérisque, 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 gamberge la gouline et fonce-moi mon fade. Compte ce qu'il y a dans la valise, et donne-moi ma part. Astérisque, 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 j'ai poissé la fauve d'un drague, c'est du blancard. J'ai volé la tabatière d'un médecin, c'est de l'argent. Astérisque, 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 connobles-tu un fourgue qui bille bien? Connais-tu un receleur qui achète un bon prix? Astérisque, 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 calte, la rousse à l'arnache rapplique. Prends garde, les agents de police en bourgeois viennent. Astérisque, 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 bille à pique au grivé, quand ils seront pionville, nous esbignerons. Paye à boire aux soldats, quand ils seront saouls, nous nous sauverons. Astérisque, 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 si on ne te connoble pas, bonis un centre à l'estorguer. Si on ne te reconnaît pas, dis un nom comme il viendra. Astérisque, 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 bâcle la lourde et au pieu. Ferme la porte et au lit. Astérisque, 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 pictanchons-nous pour 2 rondeaux d'AF. Buvons-nous pour 2 sous d'eau de vie. Astérisque, 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 niberqué, j'ai le soufflet acquigé. Non, j'ai mal à l'estomac. Astérisque, 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 j'aime mieux poisser que de droguer. J'aime mieux voler que de demander.
Astérisque, 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 je suis paumé marron mâle. Je suis pris flagrant délit. Astérisque, 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 j'ai escarpé un cogne pour m'esbigner. J'ai tué un gendarme pour me sauver. Astérisque, 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 en descendant de la roulotte, il faudra seriner ce pantre. En descendant de voiture, nous donnerons des coups de couteau à cet homme-là. Astérisque, 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 Nibérké, je ne veux pas être fauché. Non, je ne veux pas être guillotiné. Astérisque, 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 va donc frileux, propre amibe. Va donc peureux, propre à rien. Astérisque, 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 tu as le TEF de Charlot. Tu as peur du bourreau. Astérisque, 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 fonce-moi deux ronds et mèche pour du tréfoin rifandeur et une bouffarde. Donne-moi 2 sous et demi pour avoir du tabac à fumer et une pipe. Astérisque, 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 j'ai organe, allons-nous morfiller. J'ai faim, allons-nous manger. Astérisque, 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 mon gans est au jardin. Mon homme est allé faire un coup. Astérisque, 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 ma menace est au persil. Ma femme est en promenade. Astérisque, 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 morfions-nous un pictère ou un langage? Mangeons-nous un poulet ou une noix? Astérisque, 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 maquille tes douilles et tes douillettes. Arrange tes cheveux et ta barbe. Astérisque, 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 fonce-moi une limace et des tirants. Donne-moi une chemise et des bas. Astérisque, 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 t'as beau bêcher, je rengracie, j'ai de la muette. Tu as beau me mépriser, je ne volerai plus, j'ai de la conscience. Astérisque, 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 il y a 3 reluis, j'ai fait suer un chêne. Il y a 3 jours, j'ai tué un homme. Astérisque, 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 goual devant ses pantres, ils te fonceront des pognons. Chante devant ses paysans, ils te donneront de l'argent. Astérisque, 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 sais-tu maquiller les caroubles? Sais-tu faire les fausses clés? Astérisque, 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 esbigne en jargue d'Icigo. Va-t'en sans payer d'ici. Astérisque, 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 fais foncer du pelard et de la grenouze au gail. Fais donner du foin et de l'avoine au cheval. Astérisque, 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 ta menace est bien entapée. Ta femme est bien mise. Astérisque, 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 tu n'as pas de paf au pâturon. Tu n'as pas de souliers aux pieds. Astérisque, 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 et tes zigs pas de montant aux proses. Et toi pas de pantalon au derrière. Astérisque, 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 je me suis rifaudé les pognes. Je me suis brûlé les mains. Astérisque, 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 le Québec cause que nous sommes servis mes runs. Le chien est cause que nous sommes arrêtés avec preuve. Astérisque, 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 mon pive a 2 acquigeuses. Mon enfant a 2 dents. Astérisque, 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 aboulissigo où je t'acquige. Viens ici où je te bats.
Astérisque, 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 viens-tu aux vagues avec mes zigs? Viens-tu voler avec moi? Astérisque, 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 il n'y avait que Niberquet, j'ai renaudé. Il n'y avait rien, j'ai été en colère. Astérisque, 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 grand gracier, le pantre rembroque. Fini, l'individu nous regarde. Astérisque, 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 un tel est marron mâle, sur un écornage. Un tel est pris en flagrant délit à couper un carreau. Astérisque, 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 refile-moi la camelote. Passe-moi ce que tu viens de voler. Astérisque, 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 faut escarper les coqueurs. Faut tuer ceux qui nous dénoncent. Astérisque, 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 remouche ce pantre, il pionce, fourline lui son ployant. Regarde cet homme, il dort, prends donc son portefeuille. Astérisque, 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 il y a peut-être des talbins. Il y a peut-être des billets de banque. Astérisque, 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 j'ai maquillé un tiroir à une boulange cette sorgue. J'ai fait un trou à un volet cette nuit. Astérisque, 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 quand le pantre t'a rembroqué, tu as fargué. Quand l'homme t'a regardé, tu as rougi. Astérisque, 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 remouche la cambriole où va pioncer ce nierle égo. Regarde la chambre où va coucher cet homme-là. Astérisque, 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 j'ai un rossignol qui est chouette, il débride toutes les lourdes. J'ai une fausse clé qui est bonne, elle ouvre toutes les portes. Astérisque, 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 Niberquet, il y a un cabot qui chialerait. Non pas, il y a un chien qui avertirait. Astérisque, 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 flouons au frottin ou au brême. Jouons au billard ou aux cartes. Astérisque, 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 si je paume, j'ai pas de poignon. Si je perds, je n'ai pas d'argent. Astérisque, 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 ta bille est toute jambergée. Ton argent est tout compté. Astérisque, 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 n'aboule pas, je te bute. Ne viens pas, je te tue. Astérisque, 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 je ne rigole plus avec tes zigs, tu m'organes. Je ne ris plus avec toi, tu mords. Astérisque, 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 ma menace m'a fait pioncer avec le cheval. Ma femme m'a fait coucher seule. Astérisque, 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 à boule aux vagues, voilà le tardif. Viens voler, voilà le soir. Astérisque, 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 pour l'étalage, c'est la plombe. Pour ce qu'il y a à la porte des boutiques, c'est l'heure. Astérisque, 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 attends que le pantre soit rentendé. Attends que l'homme soit rentré. Astérisque, 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 vas-y débrouffe à la tête du camp, je te nonne. Vas-y hardiment devant tout le monde, je te cache. Astérisque, 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 balance la camelote. Où tu es marron. Laisse tomber l'objet par terre, où tu es pris. Astérisque, 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 balance du tréfoin dans les chasses du cogne et cavale dur. Jette du tabac dans les yeux du gendarme et cours vite.
Astérisque, 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 je solisse du baveux, il y a de l'asphure. Je vends du savon à détacher, il y a du bénéfice. Astérisque, 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 tu n'auras pas ton fade, tu es trop frileux, tes zigs a manqué de faire servir mes zigs. Tu n'auras pas ta part, tu es trop heureux, tu as manqué de me faire arrêter. Astérisque, 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 j'ai été escraché de la piaule. J'ai été renvoyé de la maison. Astérisque, 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 le miston est chouette, mais sa daronne ne vaut que mib. Le jeune homme est bon enfant, mais sa mère ne vaut rien. Astérisque, 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 Jean est gerbé à sept longes de dur et surbine à user le soleil. Jean est condamné à sept années de travaux forcés et surveillance de la haute police à vie. Astérisque, 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 j'ai grinqué 32 bogues en jonc à l'écornage. J'ai volé 32 montres en or par l'ouverture d'un carreau. Astérisque, 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 j'ai eu pour mon fade 1,503 balles, 18 ronds et mèches. J'ai eu pour ma part 1,503 FR 92 C et demi. Astérisque, 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 ma ménesse a reçu un coup de patron dans le prose, ça lui a acquigé. Mufam a recu un coup de pied dans le derrière, ça lui a fait mal. Astérisque, 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 rembroque ce bibon comme il remouche cette mistonne. Regarde ce vieux comme il regarde cette femme. Nomenclature et explication des vols dont chaque jour tout le monde est victime, principalement les commerçants. Le vol à l'écornage. Ce genre de vol se fait assez souvent par des gamins. Voilà comment se fait le vol à l'écornage, ils s'approchent de votre magasin et mettent entre le bois et le carreau la pointe d'un couteau, en pesant dessus légèrement, ils obtiennent sans bruit une petite fente, et ensuite en posant l'ongle du pouce dessus la fêlure, et pesant un peu, ils font filer la fente par tous les zigzags qu'ils ont besoin d'obtenir, en faisant une seconde fente au même carreau, ils en obtiennent qui se rejoignent, ce genre de vol s'effectue souvent chez les marchands. De nouveauté, il pousse légèrement en dedans, le morceau tombe sans bruit sur une pièce d'étoffe, ils se sont pratiqués une ouverture, et dévalisent ainsi la montre d'un honnête commerçant. Si le coup manque, avant que le maître de la maison soit sorti, ils sont déjà loin. Aussi vive la mode de Paris, le soir des grillages en fer. Le saut à la mécanique. Lorsque vous êtes dans un endroit sombre et désert, un homme vient doucement derrière ou à côté de vous, vous jette un mouchoir autour du cou et vous enlève sur ses épaules, pendant qu'il vous tient ainsi, un autre dévalise vos poches. Tout ne pouvait crier ni vous défendre, lorsqu'ils ont fini, ils vous laissent sur la place moitié sans connaissance par la strangulation. Lorsque nous faisons route à pied, ayons toujours un chien. Le vol au rang des mois. Voici de quelle manière ce genre de vol s'effectue, un individu se présente chez un débitant, tel que épicier, marchand de vin, débitant d'eau de vie, boulanger, charcutier, il achète quelque chose et paie avec une pièce de 5 francs, immédiatement après, un autre individu, son compère, vient acheter quelque chose aussi, il choisit le moment qu'il y ait beaucoup de monde à servir, et ne se presse jamais de l'être, cependant on lui délivre ce qu'il demande, et il dit au marchand, « Rendez-moi sur la pièce de 5 francs que je viens de vous donner. » Le marchand dit n'avoir rien reçu, le voleur s'obstine et prend même la première personne venue à témoin,
qui bien sûr dit n'avoir rien vu, alors il semble douter de lui-même, et dit, au surplus, je n'avais que 5 pièces de 5 FR sur moi, ainsi nous allons voir. Se disant, il vide sa poche et en extrait 4 pièces de 5 francs, et dit vous voyez, puis il regarde ses pièces et dit au marchand, tenez, pour mieux vous persuader, je me rappelle que la pièce qui me manque était de 1828 et avait une barre en travers du cou de Charles X, regardez dans votre comptoir, si vous ne trouvez pas cette pièce, je déclare avoir perdu. Le marchand, avec l'assurance qu'elle ne peut y être, regarde, et, à son grand désappointement, la trouve, il est obligé de rendre la monnaie. Le flibustier a toujours soin de prendre au plus pour 10 ou 20 centimes. Voilà comment s'exécute le rendez-moi. Solisseur à la pogne. Les solisseurs à la pogne sont des marchands qui s'habillent en marins ou en soldats, qui n'ont jamais avec eux qu'une très petite quantité de marchandises. Habituellement les articles qu'ils tiennent sont les rasoirs à deux lames, des couteaux, des montres en or, des madras, des mouchoirs de batiste et des coupons de toile, des services damassés. Les rasoirs sont en fer, les montres en chrysocal, les madras, mouchoirs, coupons de toiles et services damassés, le tout est en coton apprêté, ils s'annoncent chez vous, comme rentrant dans leur foyer, et ayant passé en contrebande l'objet qu'ils vous offrent, destiné à faire un cadeau à leurs parents, mais ils ont encore loin pour arriver dans leur pays, ils n'ont plus d'argent, et le besoin est la seule cause qu'ils s'en défont, ils n'en connaissent pas le prix, quoi qu'il en soit, ils ne manque pas de vous faire l'objet 4 fois plus que cela ne vaudrait en bonne qualité, et n'importe quel prix vous en offrirez, il vous le laisse, il gagne encore moitié. Les carreurs en gargue. Les carreurs en gargue sont du genre fashionable, ils portent toujours des besicles, ont l'air myopes, entrent chez un bijoutier, ont un bijou de prix dont la pierre est égarée, ils veulent la remplacer. Le bijoutier s'empresse de leur en montrer de différentes espèces, et les prétendus myopes s'approchent de très près de la carte où se trouvent déposés brillants et perles fines, et avec leur langue, attirent subtilement dans leur bouche plusieurs perles et diamants. Ces voleurs sont rarement pris, et gagnent beaucoup. Le vol à la marque. Voilà un vol très droitement fait qui s'exécuta il y a quelques mois chez un bijoutier de la rue Saint-Honoré. Un individu, richement vêtu, se présenta chez lui, et demanda à voir quelques tabatières en or, il fut dans l'indécis de savoir laquelle il choisirait dans la crainte qu'elle ne convînt pas à son épouse, et dit, « C'est une surprise que je lui ménage. » Demain matin mon domestique viendra vous avertir, et vous viendrez avec lui chez moi, vous apporterez celles qui sont émaillées, c'est celles qui seront le plus à son goût, le bijoutier le reconduit avec force compliment. Et en effet, le lendemain, à 8 heures du matin, un domestique à livrée élégante se présente et dit, « Monsieur, veuillez m'accompagner chez M**. » L'honnête commerçant s'empresse de suivre ce jockey, qui lui dit, « Nous allons rue Lafitte, 12. » Quelques instants après, il se rappelle avoir oublié une commission que Madame lui a donnée, et qui va lui faire avoir de grands désagréments, c'est à 2 pas, il engage le bijoutier à continuer jusqu'à l'hôtel, ce que celui-là fait. Notre prétendu domestique arrive tout essoufflé chez le bijoutier et demande que l'on lui remette les boîtes marquées IKV et XXV, etc., etc., il en obtient 6, le bijoutier vient de sortir un instant auparavant avec ce domestique, il demande avec des renseignements trop positifs pour que l'on conçoive l'ombre du doute, l'on remet les objets au faux domestique.
Au bout de quelques instants, le malheureux bijoutier revient chez lui tout désappointé de ne pas avoir trouvé à l'adresse indiquée ce qu'il cherchait, et il leste bien plus quand il apprend la manière dont il est floué. Le vol au connoblement. Un individu porte chez un horloger une montre à arranger, et ne manque pas en même temps de saisir l'un des noms sur certaines montres en réparation, et sachant le nom, il le donne à un de ses complices, qui vient avec hardiesse chez le bijoutier, « Voulez-vous me remettre la montre de M ?» Le bijoutier n'hésite nullement, la donne, et le voleur s'en va. Le vol au poivrier. Ce sont ceux qui, les dimanches et lundis soirs, rôdent les barrières et les boulevards extérieurs, où ils ne manquent pas de trouver des hommes ivres, ils les dévalisent. Le vol à l'attrapage. Le vol à l'attrapage se fait ainsi, un individu vous cherche dispute, vous vous battez, d'autres de ses affidés viennent pour vous séparer. Bousculé d'un côté et d'un autre, il vous dévalise sans que vous vous en doutiez. Le vol à la fourline. Les fourlineurs sont ceux qui vont dans les réunions, dans les assemblées et vous volent dans vos poches ce qu'ils peuvent y fourliner. Le fourlineur a toujours avec lui deux ou trois acolytes qui s'appellent ses nonnes, il le nonne veut dire, il le cache, il s'arrange de manière à ce qu'il ne soit pas vu, car le fourlineur a plus à craindre des autres que de vous-même qu'il vole. Le vol à la ramastique. Souvent ils sont habillés et portent le mannequin comme les chiffonniers, ils affectent devant quelqu'un de trouver, de ramasser un objet quelconque, soit une bague, soit une cuillère à café, ils ont toujours soin de le ramasser de manière à ce que vous le remarquiez, ils vous offrent de vous le vendre, dans l'idée de faire un bon marché, vous ne manquez pas d'en offrir un prix, le ramastiqueur vous le laisse toujours, la bague est en argent doré et la cuillère en maillot-chior. Le vol à l'étalage. Ce sont ceux qui agrippent tout ce qu'ils trouvent à la porte des magasins, ils sont presque toujours en blouse, les mains dans leurs poches et par-dessous leurs blouses, ils empoignent tout ce qu'ils trouvent. Le vol au racolage. C'est celui qui vous arrête dans la rue et vous offre une reconnaissance du mont-de-piété à acheter, c'est, dit-il, celle de sa montre qu'il a mis là, faute d'ouvrage, et que le besoin de s'en retourner à son pays le force à vendre la reconnaissance à son grand regret, une si bonne montre qui venait de son père, la montre n'est engagée que pour 6 francs, il n'a pas voulu plus, croyant avoir plus de facilité à la retirer, mais l'on lui en a offert 18 francs, il n'a jamais que la petite reconnaissance, car la grande porte l'estimation. Encore les gens de province à qui ils s'adressent ne connaissent pas le train-train du mont-de-piété, ils y seraient pris de même. Enfin, ils vous offrent la reconnaissance en pleurant de se détacher d'une aussi bonne montre, ils vous la laissent pour 10 francs, et 6 du prêt, ça fait 16, la montre en vaut 30, elle n'en vaut pas 6, car les commissionnaires au mont-de-piété forcent toujours le prêt. Le vol à la charité. Le vol à la charité s'exécute en faisant l'aumône. Voici comment, un individu bien mis, entre chez un bijoutier, demande à voir des bijoux, et en les regardant, il tâche, sans que le bijoutier s'en aperçoive, de laisser tomber un bijou par terre, s'il le voit, c'est par mégarde, s'il ne le voit pas, un instant après le bijou tombé, un mendiant vient demander la charité, et le voleur lui tend une pièce de monnaie, elle lui échappe des mains, le mendiant la ramasse, et en même temps le bijou. Si le joaillier s'aperçoit du déficit et le manifeste à celui qui, après l'avoir amusé longtemps, s'en va sans rien acheter, impunément il lui offre de le fouiller, il est bien sûr que l'on ne trouvera rien sur lui. La boîte ternir.
Les boîtèrnières sont porteuses d'une boîte très bien garnie de bijoux tout plus beaux les uns que les autres. Chaque objet est coté suivant la valeur que la boîtèrnière veut lui donner. Au milieu, habituellement, il y a une montre cotée 350 francs. Ce jeu se joue ainsi. Elles ont un cornet en cuir, dans lequel elles roulent plusieurs dés que l'on jette au hasard. La boîtèrnière, pour vous exciter à jouer, vous fait jouer un coup pour rien, alors vous gagnez, car les dés sont préparés pour réussir, mais lorsque vous jouez pour tout de bon, elle substitue aux dés avec lesquels vous avez joué des dés. Pipez en sens contraire, et si la boîtèrnière vous laisse gagner, ce n'est qu'une amorce pour mieux vous flouer. Messieurs, méfiez-vous, la boîtèrnière, si elle n'est pas toujours jolie, a tout au moins une toilette très attrayante, un air agaçant et comprenant fort bien la gaudriole, mais ses plaisanteries se tournent toujours aux dépens des mézières, des messieurs. Les rifaudeurs. Les rifaudeurs sont une secte bien à craindre, ils s'affublent en mendiant, vont demander l'hospitalité, et dans la nuit, jettent des boulettes incendiaires, s'esbignant et s'en vont. Faire le grec. Ce sont de ces filous qui rôdent les cafés à deux, et qui, sans avoir l'air de se connaître, se connaissent fort bien, l'un d'eux vous lit conversation et finit toujours par vous offrir une partie de cartes, son collègue se place derrière vous, à certains signes, soit en portant la main au chapeau, soit aux yeux, soit au nez, enfin à des signes convenus entre eux, votre adversaire connaît tout votre jeu, son collègue qui fait le grec le lui dit. Ne souffrez jamais personne derrière vous quand vous jouez. Le vol au bonjour. Ce genre de vol s'exploite le matin de bonne heure. Le bonjourier met la main sur tout ce qu'il trouve, gare aux voisines qui vont les unes chez les autres et laisse la porte entr'ouverte, il faut peu de temps au bonjourier pour travailler. Le vol à l'escarpe. Sont ceux qui rôdent la nuit, assassinent le monde, les jettent à l'eau. Ceci me rappelle un tour assez plaisant fait par Monsieur Astérisque Astérisque Astérisque, commissaire de police. Une nuit, à 3 heures du matin, une fruitière descendait du côté du marché des Innocents, elle suivait le long du canal et entendit comme une masse tomber dans l'eau, elle entendit se débattre et ne douta plus de l'affreuse vérité, c'était un homme que l'on venait de jeter à l'eau, elle ne dit rien et se cacha derrière un tas de pierres, elle entendit le dialogue suivant entre deux escarpes, pour 16 ronds, ça ne valait pas la peine de nettoyer un ganz, peut-être, répondit l'autre, et 15 balles. Demain quand nous le retirerons, il s'en allèrent. Plus morte que vive, la fruitière sortit de sa cachette et alla faire sa déclaration chez le commissaire du quartier. En effet, le lendemain deux hommes se présentent chez Monsieur Astérisque 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 pour recevoir la récompense accordée par la loi à ceux qui retirent un cadavre de l'eau. Sur leur réclamation, le commissaire leur compta leur argent, c'est-à-dire 14 francs 20 centimes, ce n'est pas le compte, dit l'un, si, répondit avec sang-froid et froid l'intelligent commissaire, avec les 16 ronds que vous lui avez pris hier avant de le balancer dans la grande tasse, les deux escarpes se trouvèrent décontenancées, et le commissaire, profitant de son influence, obtint l'aveu du crime qu'avaient commis les deux escarpes. Le vol à la clavette. Le vol à la clavette s'exécute par le trou qui se trouve pratiqué à l'aventure des boutiques pour l'introduction des boulons qui servent à la fermer. Si vous ne mettez que le boulon et non la clavette qui sert à le retenir, les voleurs le retirent et introduisent par le trou un fil de fer crochu, et parviennent à attirer à eux soit un bout de dentelle, ou le coin d'un foulard, une fois qu'ils en tiennent un petit bout, le reste est bientôt à eux. Le vol au radin. Le vol au radin se trouve effectué par de petits garçons, sous les ordres de grands bandits.
L'hiver est très favorable à ce genre de vol, il profite de 4 à 5 heures de l'après-midi, c'est l'heure habituelle où les commerçants sont dans l'arrière-boutique à dîner, ils s'introduisent à quatre pattes et se glissent dans toutes les sinuosités ombrées où la lumière darde le moins, ils arrivent enfin au comptoir et se blottissent dessous, quelquefois même une pratique entre, et vous la servez. Le petit voleur touche presque vos pieds, et vous ne vous en apercevez pas, il profite du moment le plus favorable, et s'enfuit avec votre radin, le tiroir de votre comptoir. Si le tiroir, à son grand désappointement, est fermé, il empoigne ce qu'il trouve. Le vol à lanterne. Le vol à lanterne est également exécuté par des enfants. L'été, souvent on laisse ses fenêtres ouvertes le soir, quelquefois même l'on se couche ainsi, rien n'est plus dangereux pour les personnes qui habitent rez-de-chaussée et premier, de grands hommes ont avec eux des gamins qu'ils enlèvent par les pieds à bout de bras, du moment où ils peuvent attraper le dernier barreau, ils sont bientôt chez vous, quelquefois même, quand c'est trop haut, ils ont une corde au bout de laquelle se trouve un crampon, ils le lancent et grimpent à la croisée le long de cette corde. Ce genre d'industrie s'appelle marché à lanterne. Le vol au Benjamin s'effectue habituellement par des marchands de mouchoirs, ils n'ont plus que ces six, ils les sortent de leur blouse, car ils n'ont pas, vous disent-ils, de patterns, le commissaire a voulu leur en faire prendre une, mais ils n'ont pas le moyen, aussi vendent-ils en cachette. Voyons, madame, mes six derniers pour tel prix, vous les regardez et vous offrez le vôtre, ils les reploient, cela est impossible, les remettent sous leur blouse et vous disent, eh bien. Madame, décidément voulez-vous mettre tant? Non, ils vous les donnent, mais ils ont changé le paquet qu'ils vous donnent, il n'y en a plus que quatre ou six, mais un tiers plus petit. Cette substitution s'appelle faire le Benjamin. Vol à la roulotte. Les roulottiers sont des gens qui sont à la piste des voitures de roulage et des diligences, des voitures de blanchisseuses. La nuit, sur la route, ils coupent les bacs de vos voitures et attrapent ce qu'ils peuvent. Quelquefois un roulier traîne pendant une heure son voleur sans s'en apercevoir. Les camionneurs aussi à Paris sont bien susceptibles d'être victimes des roulottiers, aussi ayez des chiens sous vos voitures, et au premier avertissement, regardez. Le vol au Cafemont. Le vol au Cafemont s'exécute ainsi, un individu vient au café, commande 12 demi-tasses qu'il faut apporter la maison à côté, l'individu attend le garçon dans l'escalier, lorsque celui-ci arrive, il lui dit, combien apportez-vous de demi-tasses? 12, dit le garçon, mais je vous en ai demandé 14, donnez-moi cela et courez en chercher deux autres. Le crédule garçon y va, et en revenant, trouve dans l'escalier sa corbeille garnie de tout comme avant, seulement il trouve 12 petites cuillères de moins. Il a beau demander à tout le monde Monsieur Charles, un grand blond, ou un petit brun, qui doit demeurer au troisième la porte à gauche. Personne ne le connaît. Le voleur au dig-dig. Il entre une dame bien mise dans un magasin, qui y fait des emplettes magnifiques, elle a presque terminé ses achats, d'autres, ses complices, arrivent, le magasin se trouve de suite garni d'acheteurs et acheteuses, toac sans grave coup cette dame tombe des attaques de nerfs, cela s'appelle tomber du dig-dig. Tout le monde quitte son rayon pour la secourir, elle demande de l'éther, l'on court en chercher, et pendant ce temps les autres travaillent, les autres vous volent, enfin elle va mieux, mais veut prendre l'air un peu, elle sort, et vous ne la revoyez plus. Le vol au carouble. Le vol au carouble, ou vol à l'aide de fausses clés,
s'exécute presque toujours d'après le consentement de personnes qui vous sont attachées par domesticité ou par d'autres qui y sont reçues souvent. Ce sont ceux desquels vous vous méfiez le moins qui donnent au caroubleur l'empreinte de votre clé, et d'après l'empreinte prise sur la cire, ils en font une pareille. Alors l'on convient du jour et de l'heure où le vol doit s'effectuer, et ceux à qui vous contez votre mésaventure ont souvent partagé dans le vol. Méfiez-vous surtout de laisser la clé de votre chambre en dehors sur la porte, car les caroubleurs montent dans les maisons et tirent doucement votre clé, et la posant sur toute face sur de la cire à modeler. Rien n'est plus facile d'en faire une pareille, si un léger bruit vous donne l'éveil, vous les trouvez à votre porte, ils vous demandent très gracieusement après monsieur ou madame un tel. Le vol au commis. Un individu vient dans un magasin et demande à voir ce que l'on a de plus beau en cachemire, il en achète un et dit que l'on le lui envoie immédiatement, le patron de la maison remet le cachemire à son commis, ainsi que la facture, le commis accompagne le monsieur qui le conduit dans une des belles rues de la chaussée d'Antin, et lui dit, au moment où il frappe à la porte d'un magnifique hôtel, remettez-le-moi, que j'ai le plaisir de le présenter en entrant, ce que le commis fait sans difficulté, la porte s'ouvre, il fait entrer le commis le premier, et la referme avec vitesse, le temps que le portier ait dit, qui demandez-vous, et qu'il n'ait tiré le cordon, le voleur est loin. Le rossignoleur à la flanc. Le rossignoleur est celui qui porte avec lui une quantité de crochets semblable à ceux dont se servent les serruriers, et qui monte au hasard dans une maison, il frappe à la porte, et si personne ne répond, il se met en exécution. Ce vol s'appelle à la flanc. Méfiez-vous des gens qui ne sont pas de la maison et que vous voyez rôder dans les escaliers, demandez-leur hardiment ce qu'ils veulent, ils vous demanderont un centre à la flanc, un nom au hasard, et se cavaleront, car le pantre sera réchauffé, ils vous demanderont un nom au hasard, ils s'en iront, car vous vous serez douté de quelque chose. Allez au fric-frac. Ce genre de vol s'effectue dans le même genre que le rossignoleur à la flanc, à l'exception qu'après s'être assuré de l'absence des personnes, ils sortent de dedans leur pantalon une pince en fer, et soulèvent votre porte ou la cassent. Le voleur au fric-frac est reconnaissable, il n'a qu'une main à son service et marche raide, car la barre de fer dans son pantalon le gêne à marcher, et une de ses mains est occupée à la retenir. Table. Dictionnaire d'argot. Un dialogue argot et français. 33 nomenclatures et explications des vols dont chaque jour tout le monde est victime. 59 Le vol à l'écornage. 59 Le saut à la mécanique. 63 Le vol au rendez-moi. 65 Solissure à la pogne. 68 Les carreurs en gargue. 71 Vol à la marque. 73 Vol au connoblement. 76 Vol au poivrier. 77 à l'attrapage. 78 à la fourline. 79 à l'étalage. 81 à la ramastique. 80 au racolage. 82 à la charité. 84 au tiroir. 86 la boîternière. 88 les rifaudeurs. 90 faire le grec. 91 le vol au bonjour. 93 le vol à l'escarpe. 94 le vol à la clavette. 97 le vol au radin. 99 le vol à la lanterne. 101 le vol au benjamin. 103 vol à la roulotte. 105 le vol au carouble.
107 le vol au dig-dig. 109 le vol au cafemon. 111 le vol au commis. 113 le rossignoleur à la flan. 115 aller au fric-frac. 117 fin. Moulin, IMP de PA. Derosi. Note du transcripteur, l'orthographe et la grammaire du livre original ont été reproduits ici. Astérisque 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 end of the project Gutenberg e-book dictionnaire complet de l'argot employé dans les mystères de Paris astérisque 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 updated editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol mark commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license, the full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting the free distribution of electronic works. By using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol mark commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works 1.A by reading or using any part of this Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agrément. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8. 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement.
There are a few things that you can do with most project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. Si paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Si paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commerciale work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Un point e unless you have removed all references to Project Gutenberg, un point e point 1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commerciale work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed, this ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2.
If an individual project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraph 5.E.1-E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark asset force in paragraph 5.E.8 or 1.E.9. 1.E.3. If an individual project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraph 5.E.1-E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commerciale license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commerciale. 1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commerciale license. 1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commerciale work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commerciale website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax.
The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt dates / et does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.F1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.F.2. Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.F.3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential,
punitive or incidental damage even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.F.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol mark commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol mark commercial work. And C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol mark commercial. Project Gutenberg symbol mark commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in form readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol mark commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol mark commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001,
Le projet Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commerciale and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donation can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in location where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5.
Général Information ABU Project Gutenberg Symbole Marque Commerciale Électronique Works Professor Michael S.R. was the originator of the Project Gutenberg Symbole Marque Commerciale Concept of a Library of Electronic Works that could be freely shared with anyone. For 40 years, a produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commercial e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commercial e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to read about new e-books.